Ça conserve, attention, frappe Montagny qui fait l'extérieur. Montagny sur Louis Gervaison, qui a failli passer. Eh Montagny, oui. Alors que derrière, une petite figure de Louis Rousset. Oui. Ah, Louis Rousset, du coup, qui a bloqué Clémentine Lost. C'est pas le week-end de Louis Rousset, là. Non, ni celui de Clémentine Lost, par la force des choses. Alors, en tête, Christophe Ferrier, qui va bien pouvoir aller le chercher. Il y a le petit train derrière, il y a le petit train, et parmi les quatre, il y a également Franck Montagny qui colle à Beltoise, à Gervaison. C'est un train qui va vite quand même, hein, c'est un TGV. Ouais, il y a du rythme. Il y a du rythme avec Christophe Ferrier. Oh, qui est menacé par Sacha Prost, lui-même attaqué par Vincent Beltoise, derrière Louis Gervaison et Franck Montagny qui est dans le groupe. Voilà. Avec Lamouret également, hein. Ça c'était pas imprévu qu'il soit dans le groupe lui aussi. Bon, écoute, pour l'instant, un tour sans problème. Ouais. Pour l'homme de tête, hop, Christophe Ferrier. Alors que là, il y a encore l'accrochage. Avec Delphine Wassipeur qui s'est mis en travers. Et du coup, petit accrochage derrière. Les deux filles se sont un petit peu embrassées toutes les deux. Oui, voilà. Voilà. Ah oui, parle d'autre chose. Oui. Alors, Louis Rousset. Louis Rousset qui essaie de remonter, mais ça va être compliqué. Ferrier, Prost, on suit l'attaque là-bas. Ah, Sacha Prost qui est vraiment très bien. Hein. Ah, ouais, il adore. Attention, il y a un drapeau jaune de Patrice Agité là-bas. Oui. Il y a une voiture qui rentre au ralenti avec le capot complètement. Ouais, c'est Delphine. C'est notre Miss là qui est au ralenti. Alors que là-bas. Oh, c'est Vincent Beltoise. Ouais. C'est Vincent Beltoise qui est allé à la faute, je pense, en doublant Delphine là. Qui ne voit pas Louis Gervaison qui pousse l'ancienne Miss France. C'est pas joli ça, Louis. Hein. Non, c'est pas joli, mais ouais. Il a pris son opportunité. Ouais, mais je crois que Vincent Beltoise, je sais pas si c'est pas en dépassant, en prenant un tour à Delphine, qui va de nouveau dans le talus là. Aïe, aïe, aïe. Qu'il a eu un petit problème, et ça, c'est catastrophique pour notre ami Vincent Beltoise. Ah ouais, parce que en termes de points, ça va coûter cher. Et du coup, Vincent, il est menacé par Claudio Capéo, qui fait une très belle course, Claudio, là. C'est bien ? Eh oui, il revient à un début de flirt que nous avions concélébré avec lui lorsque nous l'avions découvert comme pilote. Et il avait dit qu'il reviendrait. Il a tenu parole, c'est bien. Christophe Ferrier toujours en tête. Ouais, Sacha Prost deuxième, du coup, tout seul. Ouais, il a des trajectoires remarquables, Sacha Prost. Louis Gervaison est quatrième, Franck Montagny, puisqu'il n'y a plus de Vincent Beltoise. Excellent Lamouret pour ses débuts, là, qui va devoir contenir le retour de Vincent Beltoise, qui doit être énervé, là. Oui, oui. C'est pas un grand calme, hein. Ouais, c'est plutôt un tonique. Puis s'il s'est fait bousculer par une mise, c'est pas bien. Hein. Ouais. Enfin, écoute, il y a des frontis-frontas plus désagréables. Ouais, Claudio Capéo est bien là. Clémentine Lost avec Louis Rousset. Christophe Ferrier, record du tour. Il gère. Allez. Au passage, ça fait un peu commerçant, mais il prend la TVA. Hein. Alors que Delphine n'a plus d'avant la voiture. Et que Christophe Ferrier continue à attaquer, évidemment. Sacha Prost, excellent, hein, il va s'offrir un podium. C'est bien ce qu'il fait, parce que il a des trajectoires tout à fait remarquables. Et attention, Vincent Beltoise qui attaque Lamouret, la Vincent qui va absolument revenir sur la Steff. Il passe à l'intérieur. Non, pas encore, mais ça va peut-être se faire ici dans la ligne droite. Alors, l'attaque de Beltoise qui va essayer l'extérieur. Il va essayer l'intérieur maintenant. Alors ça il défend bien Lamouret. Hein. Cette fois il passe, voilà. Oh, en contact, et non. Belle résistance de Lamouret pour ses débuts. Il doit penser, Beltoise, Lamouret, toujours Lamouret. Ouais, Lamouret. Après avoir touché la mine tout à l'heure. Oui. joli tout ça. Ah non, c'est pas beau. Ferrier, 3 secondes d'avance. Il n'a plus 3 secondes d'avance, Christophe Ferrier. Non, il est rejoint. Sacha Prost est en train de revenir. Va-t-il y avoir du suspense C'est en dernier tour avec Sacha Prost. En prenant un deuxième tour à notre Miss, là. C'est revenu. Ah, c'est revenu pour Sacha. Dernier tour, attention. Hein. Alors que Vincent essaye toujours sur Lamouret. Ils sont vraiment dans le même tempo. Nouvelle attaque à l'intérieur. Il a un pilotage formidable. Attention à Sacha Prost qui tape un petit peu. Alors, du coup, c'est foutu là. Il n'ira pas chercher Ferrier.
Ça semble de toute façon un peu délicat. Et Clémentine Loss qui résiste toujours à Louis Rousset pour la 9e place. Et un Christophe Ferrier dominateur sûr de lui. Le voilà pour une nouvelle victoire et un titre. Eh oui, c'est normal. Bravo, chapeau l'artiste. Deuxième Sacha Proin, ça sera sa meilleure performance. Oui, Sacha, ouais, tête à queue pour Vincent Beltoy, j'ai l'impression. Ah, attention. Louis Gervoson, troisième. Franck Montagny, eh oui, arrive quatrième. Tout seul l'amouré. Aux couleurs du Trofandros, il n'y a pas de Beltoise qui est parti à la faute. Eh oui, eh oui. Il a dû s'énerver là, Vincent. Ça faisait trois tours qu'il s'énervait. Et voilà, voilà, mais du coup, Claudio Capéo est juste derrière. Bravo. Bravo à Claudio Capéo qui va terminer septième. Devant voilà, Clémentine Lost. Ouais, ce qu'on retiendra quand même, c'est l'extraordinaire maestria de Christophe Ferrier sur pratiquement, je crois qu'il a fait allez, une ou deux impasses pendant la saison. On l'a vu un peu en deçà sur certains circuits. Ouais, ouais, il était vraiment excellent. Une fois deuxième, Lancen Vercors où Vincent a dominé un petit peu, était sur le podium. Ouais. Mais quelle saison de Christophe Ferrier, pilote bourré de talent et qui vraiment va décrocher ce nouveau titre en électrique.